Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo information. Aujourd'hui on parle à nouveau, et je pense pour la dernière fois, du DLC Heart of Russia, et on voit ça tout de suite après l'intro. Et salut à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo information, en espérant que ce soit la dernière, puisqu'il s'agit encore d'une information du DLC Heart of Russia. Donc je pense à mon avis que c'est la dernière, puisque le DLC ne va pas tarder à faire son apparition courant janvier. Il y a de fortes probabilités, mais en tout cas, voilà, à prendre avec des pincettes pour le moment, puisqu'on n'a pas d'informations à ce sujet. Ceci étant dit, je pense que c'est donc la fin, voilà, la fin de toutes ces infos, et je pense que SCS vont arrêter de nous faire mariner et nous sortir ça courant janvier, on l'espère. Aujourd'hui donc, je me retrouve sur le blog SCS Software, et on va encore parler donc de ce DLC, et là aujourd'hui on va parler de Ryazan. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble, et voilà, principalement une ville de ce DLC qu'on va découvrir ensemble via ce blog. Alors, cœur de la Russie, Ryazan. Aujourd'hui, nous sommes heureux de partager avec vous le premier aperçu de l'une des nombreuses villes qui seront présentées dans notre prochain DLC Heart of Russia pour Euro Truck Simulator 2. Présentation de Ryazan, la troisième plus grande ville de Russie centrale après Moscou et Iroslav. Voilà. Donc on a une première ici, un premier cliché, voilà, où on peut apercevoir quelques immeubles, des petits magasins, une petite pharmacie à cet endroit-là, c'est une espèce de centre commercial, hein, je pense, ça doit être ça. Une rue principale, hein, une avenue, voilà, en tout cas c'est plutôt joli et plutôt bien détaillé. Situé près de la rivière Oka, Ryazan est un centre industriel animé et une plaque tournante des transports. Malgré la taille de la ville, Ryazan ne figure généralement pas sur la liste des endroits à visiter en Russie. Cependant, si vous choisissez de visiter, vous trouverez de nombreux sites historiques magnifiques, tels que des cathédrales ainsi que d'autres attractions intéressantes, telles que des musées qui attirent les résidents et les visiteurs. Voilà. Donc, visiblement, ça reste relativement industriel. Voilà. Pour les livraisons, etc., les prises de marchandises et compagnie, je pense qu'on va être relativement servi. Donc là, on a une petite entreprise ici, on a une petite cathédrale à ce niveau-là, voilà, sur une sorte, je pense pas que ce soit une autoroute, à mon avis, je pense que c'est une nationale, à mon avis, hein, sur deux fois deux voies, voilà. Ici, on est encore au cœur donc de la ville, voilà, c'est très joli, c'est très détaillé, c'est très typique de la Russie, donc ici avec tous les câbles, hein, pour les trolleybus, etc., bien détaillé, bien sympathique, voilà. Petite dernière photo, on a encore ce centre commercial qui est ici, donc je pense pas que ce soit le même que tout à l'heure, mais on en a un autre, hein, visiblement. Donc voilà, beaucoup d'affichages publicitaires, hein, c'est typiquement russe également, ça. En tout cas, c'est très détaillé, bravo à SCS en tout cas. Ryazan abrite l'un des plus anciens musées de Russie, le Kremlin de Ryazan, situé au sommet d'une colline escarpée. Il est entouré de rivières et de douves sèches, ce monument d'architecture est réserve naturelle d'importance fédérale, est inscrit au registre national des objets particulièrement précieux du peuple de la Fédération de Russie. Voilà, tac. Donc là, autre photo, autre monument ici derrière, voilà. Et puis espèce de pylône, voilà, je pense, je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, voilà, on a une belle petite image et toujours un décor bien détaillé. Les chauffeurs de camions qui se rendent à Ryazan pour le travail peuvent trouver une variété d'industries, y compris une raffinerie et une installation de stockage de pétrole, une scierie, des entrepôts et des concessionnaires automobiles. Tous ceux-ci sont situés autour de la rocade principale de la ville, où vous trouverez également des centres commerciaux et de nombreux complexes d'appartements. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup de centres commerciaux, beaucoup d'usines, etc., d'entreprises. Et là on a donc cette fameuse rocade, voilà, que je vous ai montrée, donc la fameuse rocade qui est ici et qui mène à tout ça. Ensuite, on a d'autres photos ici où on peut voir la petite zone industrielle, donc la voie ferrée, le train, etc. et les trains typiquement russes, ça c'est cool. Voilà, ici même chose, le pont, voilà, la voie ferrée.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc là, je pense que c'est un truc de concession automobile, je pense, hein, à mon avis, hein, vu déjà la voiture ici d'Expo qui est juste là. Voilà, la vieille Lada. Ici, on a une vue globale de la ville, de l'entrée de la ville. Voilà, donc avec la nationale qui est là, hein, donc la rocade qui passe en dessous, au-dessus, etc., etc. En tout cas, c'est super beau. Franchement, ça promet du lourd. Ici, pareil, on a donc encore une fois cette rocade. Donc, tous ces immeubles, etc. La petite cité derrière. Et tout le tralala. Même chose ici. Voilà, sous un autre angle de vue. En tout cas, c'est beau. C'est très joli. En espérant juste que ce soit optimisé, clairement. Parce que ça, c'est vraiment ma crainte. Ici aussi, donc voilà, centre commercial, encore une fois. On en a plusieurs. Hein, c'est le troisième qu'on voit depuis tout à l'heure. Toujours près de la rocade. Et ici, on a un stade de foot. Voilà, un petit stade de foot. Et là, toujours sur cette rocade, hein, station de service, etc. En tout cas, super bien détaillé. Dernière petite photo. Voilà. Où là, on peut. Je pense que ça doit être un hôtel, restaurant. Je pense ça doit être un truc comme ça, à mon avis. Hein. Y a de très fortes chances que ce soit ça. Et probablement qu'on aura à proximité un parking hein, pour faire nos coupures. Voilà, hop. Alors donc, que vous soyez de passage ou que vous passiez la nuit à Riazan, nous espérons que vous déciderez de prendre quelques instants sur votre horaire de conduite pour admirer, cette ville unique et historique. Nous espérons que vous avez apprécié ce premier aperçu de l'une des nombreuses villes qui seront présentées dans le DLC Heart of Russia. Si vous l'avez fait, envisagez d'ajouter Heart of Russia à votre liste de souhaits Steam, et puis ça par contre je sais pas ce que ça veut dire, voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam, moi c'est déjà fait, donc j'attends avec impatience, on va voir du coup ce que ça va donner, mais à mon avis il va pas tarder à pointer le bout de son nez, je pense que pour janvier ce sera validé, donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre, on verra bien, mais en tout cas je l'attends avec impatience comme vous, hein, j'imagine, voilà, je vous tiendrai au courant de sa sortie. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, passez de bonnes fêtes. A plus, ciao.